Ouais, bah t'as appuyé trop tard sur le bouton, mec. C'est quoi cette prod là? Bah, à la fin du message, t'appuies sur le bouton. T'as trois boutons sur lesquels faut appuyer, sérieusement. Ah, c'est quand même pas compliqué ton boulot, non? Combien je te paye, sérieusement? Tu te rends compte, 6000 euros pour trois boutons, quoi? Ouais, bah ouais. Et bah, c'est beaucoup, 6000 euros, mon gars. Bah, tout ça pour la prod. Comment ça, d'où ça vient? Je sais d'où ça vient. Et tous les surveillants sont bénévoles. Les monteurs YouTube, on les paye, quoi. De merde. Et l'équipe Youngpeace, ils vont toucher 3 centimes. Hein? Le micro? Hey! Comment ça va tout le monde sur le campus de cette Salty Academy? Et bam! Un clip qui vient de partir. Quel bon de petit fils de tube. Allez, rentrez! Hein? Rentrez, il fait beau. Non, pas du tout! Remember it. Ouais, fils de tube, parce que j'ai plus envie de dire. Et il faut que j'arrête avec les gros mots. Je dis trop de grossièreté, je me rends compte que je dis trop de grossièreté. Et de temps en temps, il y a des enfants, il y a des oreilles chastes qui passent sur ce live. Des oreilles chastes. Chastes ! J'ai pas dit chatte, j'ai dit chaste. Et vous savez ce qui serait trop bien ? Ce serait une espèce d'IA, tu vois, une espèce d'intelligence artificielle qui fait qu'à chaque fois que tu vas dire un gros mot, à chaque fois, genre fils de... Tu vois ? Genre, ce serait une intelligence artificielle absolument ouf qui, en nanomillisecondes, pourrait couper, en fait, directement toutes les grossièretés, genre en... va ta mère. Et ça, tu vois, si Elon Musk, il pouvait faire ça, ça, ce serait génial. Yeah, absolutely. Le live serait... T'arrives sur le live. Bonjour. 2 hours later. Bonne journée. Moi déjà il a le bon charme. Je vais vous mettre une mirror closet, je vais jouer le C toute seule hein. Je la mets où le deuxième shield? J'en ai mis un mais je vais mettre. Ça spawn feu de camp. Il va thermite. Et ça va pousser dans la kitchen aussi, il y a un sledge. Il y en a un escape bleu. En fait il faut que vous soyez trois au top. Ah hein. Il y a trop de shield. J'ai eu, je descends. On joue avec la frost. Ça va être what? What? Il y a encore le shield par contre, il y a encore le shield. Ouais, il est allé rentrer, la hache, elle est contact, elle est touchée à mon pic. Et ça trade pas derrière. Il meurt un par un. Une de couleur bleue. Frost, rappelez en frost. Il y en a un dans le frost. Bien joué. Encore Ranger. Lensor main et tu le lui. La dernière, ça s'est pas bouché visiblement. Elle est montée pour le revive. Ils sont deux. 20 secondes. Hein. Goyo pas utilisé. Faites gaffe au trap, on vous dit pour le main, ok? Il drop à la porte à gauche. Il est rentré, c'est un easy clutch. Hein. Il y en a un autre au-dessus de toi. Normal. 1-4 remaining. Bon là on gagne non pas parce que la défense est strong, on gagne parce que l'attaque est pas bonne en face. C'est quoi les objectifs de la Neo Yunkies? Un, déjà de s'assurer que fin septembre ce soit une équipe solide et consolidée, et après on verra. Après j'aurais pu prendre une League ou ce genre de truc là, pourquoi pas. Mais d'abord le premier avantage, enfin le premier truc, c'est de faire en sorte que les joueurs se fassent connaître. Et si elle me pète les gars, il y a des drones qui arrivent, il n'a qu'un rappel, fais gaffe. La frost qui arrive. Bon, il y en a MAU. Le drone il m'a pas vu. Ta drone derrière toi, Aiden, à la porte, il repart closette le drone. Dej mort. Nero il a drop, Aiden. Ouais, j'ai drop. Je le casse. J'ai un bleu par terre, personne bleu par terre, non, j'ai plus à l'abri. Il est bien là. Ouais, il m'a eu, il a 20 HP. Il charge. Il pique. Aiden, il pique. Rapproche-toi, il est à terre, Ah, ben, il y a la bridge. 10 seconds left. Il plante piano, l'autre il plante. What? Il plante. Et il plante, ouais. Ah, ouais, d'accord. Il plante pas là. Quoi, à gauche. Désolé, j'avais pas compris qu'il plantait là. C'est sûr qu'il y avait pas compris. Ouais. Mais ouais, j'ai été dans la librairie. La trappe est pas renfo, je crois. Il faut la renfo. Bah, faites-le avec le dernier. Du coup, bah, vous êtes tous au top, du coup, je reste sur site. Hein. Deux ou trois au top. Hein. Il faut faire les murs sur ping, les gars. Peut-être celle de bord maintenant. Je vais roomer Bob le moi. Moi, j'ai tout en moins 9. Pose une question à Renchero. Babylone, il y a du bruit, je sais pas où, à la fenêtre ou je sais pas où. Faites ma front. Faut rentrer au fils. Ok, faut que tu me pètes cette mira, Len. Ouais. C'est rentré basse-room, vous pouvez s'égater à mon ping. C'est pété. Un basse-room encore, il a pété la cam. Le mec, il doit être dans le piano ou au fils.
Essaye de récupérer l'averti. Tu gagnes si tu récupères l'averti. Il est levé à la porte. Le trick, on tape le tap. En fait, le problème, c'est que tu l'aides pas là. Ah non, c'est pas grave, on lui dit. Ça plante de, devant toi là, derrière la table. Bien joué. Len, en fait, dans cette situation, celui qui tue, c'est le seul duel que toi t'as un duel à prendre et Nero il est mort par ce duel que tu as pas pris. En fait, le 2v4 on t'en voudra pas parce qu'il est perdu de base. On a merdé avant, tu vois. Quand t'es en clutch, généralement, à 30 secondes, normalement il est perdu, tu vois. Ils ont l'averti, ils ont le mur. Donc tente un truc. Donc je demandais à Renshiro et la plupart des gens sont en activé désactivé. En vrai, c'est quoi la différence de jouer en toggle? Bah, je sais pas, mais on voit beaucoup plus de pics lents en fait de temps en temps, tu vois, où on va essayer de venir chercher une toute petite ligne mais lentement en fait. Là où avant, moi j'étais plutôt dans un esprit où si tu n'as pas la ligne, c'est que la personne en face de toi peut l'avoir. Et pour être à peu près sûr qu'il n'y a personne sur la ligne que tu comptes prendre ou que tu viens de perdre, alors tu es obligé de faire un sorte de snake move pour essayer de le trigger, le fait qu'il va tirer, quoi. Indiquant la position de la personne ou indiquant s'il y avait quelqu'un sur la ligne que tu vas prendre, quoi. Alors que maintenant, on voit beaucoup plus de mecs qui sont en A et E et qui vont vraiment venir lécher tout doucement les arêtes, y aller tout doucement, tu vois. Len est en toggle avec souris bouton 3 et verrou image. Ça, c'est le papa de Len qu'elle a. Ça a dû changer les habitudes des pros quand ils ont fait la mage des décales aussi, non? Mais grave, hein. À l'époque, tu voyais vraiment du pic tac-tac-tac, quoi. Et en particulier sur Internet où tu laisses ta hitbox derrière, comme je le disais, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Le nombre de fois où moi, je fais des pics à l'ancienne et je meurs derrière le mur, ça me fait péter les câbles, quoi. Alors que je suis super rapide, mais bon, vu qu'il y a un décalage, toi, tu fais l'info, mais ta hitbox, elle est encore là, et après, c'est l'inverse, quoi. Tu reviens, mais la hitbox, elle reste là. Lui, il tire avec ses réflexes de merde. Il te tue, en fait, quoi. Et toi, tu meurs derrière le mur. Il appuie sur le bouton molette pour pencher à droite et verrou image pour pencher à gauche. C'est ton frère dans le chat, il se fout de ma gueule, sérieusement. Il est en train de se foutre de ma gueule. Non, je l'ai vu de mes yeux. Mais c'est full troll, tu peux pas. S'il fait ça, sérieusement, il part de Yungtis, donc je te le dis tout de suite, hein. Mais non, vu ses pics, il est en AE. Mais je veux savoir s'il est en hold ou en toggle, c'est tout. Est-ce que c'est sûr, ça? Je confirme. Tu confirmes quoi, Len? Il a dit toggle. T'es en toggle. T'es en activé. Toggle, verrouge, main, molette. Allez vous faire et l'autre là. Lui, vous me le bannez là. Bannez-le. Viens sur le Discord, Len. Bon, il arrête de dire des conneries, l'autre là. Non, non, c'est vrai. Je décale avec. Je suis en toggle, je décale avec Vermage et j'appuie sur la molette de la souris. Quoi? Ouais, ouais, je te jure. Et tu te fous de ma gueule, petit con? Non. Laisse-moi réfléchir. On est à un carrefour, là, Len. On est à un carrefour de ce qu'on appelle une zone de confort. Tu m'avais dit ça? Tu me l'avais dit que t'allais faire ça? Ok. Merde, mon micro, il s'est devant. Oh non. Ouais, mais ton micro, il doit être sur verrou image. C'est pour ça, de temps en temps, il s'active pas, à mon avis. Et si tu devais changer, là? Ah non, non, non. Attends, c'est à qui que tu dis non, bien, là? Tu veux que je mette quelle touche? À des touches normales, quoi. Genre A et E. Je me sens bien avec mes touches. Il fait comme il veut après! Non! Ok, on va faire un deal. Si à un moment, dans ta prac, je sens que tu rates une de tes décales, parce que je sens que c'est lié à ton truc un peu chelou, tu changeras. Mais tu cours avec quel bouton? Ouais, tu cours avec quel bouton? Ah non, bah ça, c'est sur la souris, ça. Ah, j'avoue, mes touches, non, j'ai rien dit. Oublie ce que je viens de dire tout à l'heure, qu'ils étaient logiques, mes touches. T'as combien de boutons au niveau de ton pouce? J'en ai 37. Et j'ai une Tribal 600 Steel Series. Et t'avais pas commencé tout à l'heure en me disant sinon toutes les autres touches, c'est normal? Si, bah c'est ce que je viens de dire. J'ai dit bah oublie tout ce que mes touches sont normales. Bon allez, dégage. Merci. Bisous, poulet. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Bisous.